Donc, on vient de faire l'écoute de cette situation à propos du changement de travail. Dites-moi ce que vous avez compris. Et Lara et donc Roberto, plus ou moins. Alors, qu'est-ce que tu as compris à propos de cette écoute? La présentation de Léon. De l'homme, oui. Et il dit que le travail à temps partiel est évolutionné, oui, dans les pays de l'Europe. Dans beaucoup de pays, partout en Europe, oui. En Angleterre. En Angleterre, il y a plus de femmes que d'hommes qui travaillent à temps partiel. À partir des années 80, los años 80, il y a une évolution, il y a de plus en plus des gens qui travaillent à temps partiel, et surtout des femmes, ok? Mais par exemple, il a interviewé un homme qui a 36 ans, oui. Et il est marié. Il est marié. Marié, et il a trois enfants. Trois enfants. Et sa femme, elle travaille à temps partiel. C'est elle ou lui qui travaille à temps partiel? Lui. C'est lui qui travaille à temps partiel. Parce que troisième enfant. Voilà, à partir de la naissance de son troisième enfant, il a décidé, il a pris la décision de travailler à temps partiel. Lui. Parce que sa femme a un travail plus important que, oui, que lui. Et il fait les matières de la maison. Les travaux de la maison. Et il travaille à temps partiel 4 jours par semaine. Oui. Et c'est bon parce que les heures que l'enfant est à l'école. Oui, ou l'enfant est à l'école. Elle était à la maison. Il était à la maison, mais quand l'enfant retourne à la maison, il va travailler. Il va au travail. Et la version de Alors c'est le contraire, c'est il va au travail quand l'enfant est à l'école. Et il est à la maison quand l'enfant retourne. Oui. Les demandes si la jeune On lui demande si les gens comprennent la situation, et il dit que la réaction c'est bon. La réaction est bonne, oui. Je ne sais pas si j'écoutais bien, mais je pense qu'écouter quelque chose avec un. Il a. Deux hommes lui ont donné un conseil. Quelques gens lui ont donné un conseil. Pour faire ces choses. On lui a conseillé de faire ça. Voilà. Bien, Roberto, est-ce que tu peux plus ou moins me raconter ce que tu as compris? J'ai compris qu'il avait un avance au sein des 80. Voilà, les années 80, il y a eu un changement, d'accord? Et c'était les pays européens, les Pays-Bas, l'Angleterre et la Suède. Alors, des changements dans les types de travail, non? Et surtout dans les Pays-Bas, l'Angleterre et la Suède. À temps partiel. Voilà, où les gens commencent à travailler à temps partiel, surtout les femmes. Et depuis là, il y a une interview. On fait une interview à un homme de 36 ans. Oui. Et qui est marié. Qui est marié et avec trois enfants. Qui a trois enfants. Il travaille à temps partiel. Oui. Et l'homme et sa épouse. Son épouse. Son épouse décident cette situation à partir de la naissance de Nicole, la troisième fille. Mm-hmm. Et il va à la bibliothèque 4 jours par semaine. Mm-hmm. D'accord, voilà, très bien. Bon, alors je vais vous poser quelques petites questions, mais je le ferai le prochain jour parce que je viens de remarquer que c'est l'heure de la récréation. Donc on continuera, d'accord.